Wesh, les potos! J'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter, et surtout le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très spéciale à propos des salaires des youtubeurs. Donc oui, aujourd'hui je vais tout vous révéler, donc euh, je sais que c'est un sujet très sensible, mais voilà, ça fait un petit moment que j'aimerais bien faire cette vidéo, et eh bien cette fois-ci je vais la faire. Donc première chose, je vais parler de mon salaire et puis après on parlera des salaires des autres gros youtubeurs, combien ils gagnent plus ou moins. Bien sûr c'est plus ou moins parce qu'il y a les dons, il y a les partenariats, il y a plein de choses qui varient. Mais moi, je vais vraiment vous parler de la, du salaire de la chaîne YouTube. Donc, ce que rapporte une chaîne YouTube à un gros YouTubeur. Donc déjà, avant de vous parler des, des autres, je vais parler de moi. Donc moi, ça fait trois ans que je suis sur YouTube. Et regardez, je suis passé partenaire euh, chez BBTV Social Blade. Donc, Social Blade, c'est mon partenaire. Et Social Blade est une, part, une plateforme qui permet d'avoir les statistiques de chaque membre. De YouTube, donc de chaque youtubeur, vous pouvez avoir les statistiques, c'est obligé. Ils ont tous les youtubeurs, toutes les analystiques résumées sur leur site. Alors, moi, vous pouvez voir que ça fait depuis 2015, donc ça va bientôt faire trois ans. Le 6 mai, ça fera trois ans. Donc, le, le mois prochain, ça fera trois ans que je suis partenariat avec Social Blade. J'ai jamais eu de problème. Je sais qu'il y a eu des youtubeurs comme Duo Gaming qui ont dit qu'il y avait eu des problèmes avec Social Blade. Moi, j'ai jamais rien eu pro comme problème. Ils m'ont toujours payé tous les mois et j'ai jamais eu un seul retard donc franchement c'est un très bon partenariat et n'importe qui peut devenir partenaire je vous expliquerai comment devenir partenaire après à la fin de la vidéo donc maintenant on passe sur ma chaîne youtube alors depuis toujours donc depuis 2014 je n'ai touché que 4 4000 euros 390 4000 euros c'est pas grand chose en 4 ans enfin presque en 3 ans enfin non même presque en 4 ans c'est pas énorme hein. mais de toute façon euh, je le fais pour le plaisir, c'est ma passion et j'essaye bien sûr de percer avec ma passion. Ce serait vraiment euh, le surnom, ce serait euh, ma plus grosse réussite dans ma vie. Alors là, on va diminuer, on va mettre les 30, les 28 derniers jours. Voilà, tout simplement. Alors vous pouvez voir que j'ai fait 465 mille vues et j'ai gagné 332 euros. Et quand je vous ai mis le, depuis toujours là, le, le total, ben, j'avais 6 millions de vues pour 4 000 euros. Donc, la rumeur des 1000 vues, en euro, c'est complètement faux. Tout simplement parce que, regardez là, je fais 465 000 vues. Normalement, je devrais avoir 465 euros. Mais il y a des gens qui utilisent AdBlock. Donc AdBlock, c'est un accessoire qui empêche les publicités d'apparaître. Donc s'ils ont utilisé ça, ben c'est déjà des revenus en moins qu'on gagne. Puis après, il y a des, des vues qui ne sont pas comptabilisées par YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Les pubs, parfois, ne s'affichent pas sur toutes les vidéos. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais bon, bref. Donc... La rumeur des 1$ pour les 1000 vues, c'est complètement faux. Alors, je vais essayer de vous trouver une vidéo pour vous montrer. Voilà, par exemple, ici, tuto secret le trône sombre. J'ai fait 14 000 vues, mais là, j'ai gagné 16,97€. Tout simplement parce que la vidéo dure 50 minutes. Euh, 30, 32 minutes, il est marqué. Et j'ai mis des pubs toutes les euh, genres euh, à 7 minutes, euh, 15 minutes, euh, 22 minutes et 30 minutes. Donc, voilà, j'ai mis 3-4 pubs, 5 pubs environ. Et ça m'a rapp rapporté plus parce que tout simplement, il y a plus. De pubs, et les gens restent plus longtemps pour voir le tuto secret complet. Alors, par contre, ici, exclu, comment avoir des v-bugs en illimité? Donc, ça, c'était un gros troll du 1er avril. J'ai fait 25 000 vues, et je n'ai eu que 10 euros. Par exemple, ici, j'ai fait 23 000 vues, j'ai eu 9 euros. Là, j'ai fait 5 000 vues, j'ai eu 3 euros. Là, j'ai fait 22 000 vues, j'ai fait 8 euros. Là, j'ai fait 31 000 vues, j'ai fait 15 euros. Donc, vous imaginez que, euh, vous comprenez bien que ce n'est les 1 dollar aux 1000 vues, c'est complètement faux. Ça, c'est un gros fake, c'est un gros, euh, euh, putaclic on va dire, tu vois, c'est vraiment faux. Donc euh, c'est pour ça que YouTube devient de plus en plus dur parce qu'on gagne de moins en moins de revenus. Surtout avec les euh, annonces démonétisées, par exemple quand il y a un titre euh, de sexe ou alors il y a un, ti un titre de Hitler ou quoi, ben, quand c'est trop gore, les marques ne veulent plus s'associer à votre vidéo, donc vous avez moins de publicités qui puissent apparaître. Donc bien sûr, il y aura, il y aura toujours des publicités, mais c'est des publicités qui rémunèrent moins parce que ben euh, l'annonceur paye moins. Tout simplement. Donc tout ce que je vous dis, c'est ce que moi je comprends dans tout ça. Bien sûr, c'est possible que je me trompe sur certains trucs. Mais après, je vous partage que mon euh, savoir. C'est tout. Donc on peut voir les pourcentages, on peut vraiment voir tout. Hein. Vous pouvez tout voir dans, dans l'analytique de votre chaîne YouTube. C'est vraiment abusé comment c'est complet. Donc maintenant on va passer tout simplement à mon social blade. Donc mon network. Alors tout simplement mon network, si vous voulez devenir partenaire. Euh, je pense qu'il faut cliquer quelque part par. Euh... Ah non, il ne faut pas cliquer quelque part. Il faut simplement, par exemple, taper votre chaîne YouTube. Après, vous allez voir votre chaîne YouTube sur Social Blade. Puis, vous cliquez ici et vous demandez un partenaire YouTube. Donc, à ce moment-là, ils vont demander des droits, etc. d'accéder à votre chaîne, d'avoir les analystiques, même s'ils les ont déjà. Et là, ben, vous pourrez passer partenaire YouTube. Donc, il faut savoir. Regardez, là, on est sur mon... ma chaîne YouTube. Il faut savoir que. Ici, je gagne entre 112 et 1800 euros. Donc comme je vous ai montré précédemment sur ma chaîne YouTube, je gagne 332 euros. Donc vous faites so euh, ça, 112 x 3, ben, vous arrivez à mon salaire réel. ok Donc ça, il faudra le retenir. Parce que pour chaque YouTuber, c'est pareil. Vous faites x3. Donc les 1800 ici, c'est tout simplement, si maintenant il aurait fait euh, un maximum de pubs dans toutes ses vidéos, ben, il aurait gagné 1800 euros. Mais euh, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, sauf pour les gens qui mettent des pubs toutes les minutes ou toutes les secondes. Donc voilà, peut-être pour ces, ce genre de chaîne. Donc faut savoir aussi... Que je suis à 100% de vues supplémentaires sur le mois passé donc le mois passé j'avais fait genre 250 000 vues donc j'avais touché euh, 250 000 vues j'avais touché que 100 euros donc ce mois-ci j'ai touché 300 euros parce que bah, ma, ma chaîne a un petit peu buzzé entre guillemets donc merci à tous ceux qui ont partagé merci à tous ceux qui m'aident vraiment dans mon évolution youtube c'est vraiment très important que vous partagez commentez likez c'est pour ça que j'essaie de mettre en cours euh, en place un concours master kill pour essayer de vous pousser un peu plus à partager ma chaîne et à liker mes vidéos et à commenter parce qu'en en fait plus il y a de la Activité sur une chaîne YouTube, plus le référencement de YouTube ben, vous met à l'avant, donc c'est pour ça que je vous demande énormément de soutien euh, de votre part. Donc, on peut voir que j'ai fait 2000 abonnés ce mois-ci, donc c'est plus de 174%. Donc, il faut savoir que Fortnite m'a beaucoup aidé parce que tout simplement, ben, Call of Duty est un peu mort et un peu en... Dans une chute donc euh, dans une dégringole et euh, Fortnite va bah, tout simplement bah, en train de monter de ouf donc je me suis un peu servi de, de Fortnite parce que tout simplement c'est un jeu que j'aime bien et que je ne peux pas passer à côté c'est quelque chose c'est c'est comme si il euh, y avait un train vers euh, euh, le succès et vous vous êtes euh, sur le quai et, mais vous montez pas dans le train pour le succès donc vous restez tout simplement à zéro et vous vous stagnez parce que vous voulez pas suivre la tendance et en fait moi je suis obligé de suivre la tendance et même je suis la tendance de ce que j'aime. Je vais pas aller par exemple euh, sur un jeu que j'aime pas parce qu'il est en tendance comme il euh, y a eu avec euh, Arc, il euh, y a eu un gros euh, mouvement. J'ai acheté Arc, j'ai pas aimé, j'ai pas fait de vidéo dessus tout simplement parce que j'aimais pas. Donc voilà, faut vraiment aimer pour faire des vidéos, faut pas se forcer non plus. Après euh, voilà euh, d'autres youtubeurs se forcent, mais bon moi c'est pas mon cas, je me force pas. J'essaye de faire un maximum de contenu. C'est sur ça que je me force. Je me force à être vraiment actif et de faire un maximum de contenu pour que justement ma chaîne réunisse... Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le jeu ou euh, sur des tutos ou euh, même sur des gameplay que je fais. Parfois, j'organise des trucs. Je suis pas tout simplement un gros plagiat comme beaucoup d'entre vous me le disent de temps en temps. Je ne suis pas un plagiat J'essaie de faire de me démarquer. J'essaye que ma chaîne YouTube se démarque des autres chaînes YouTube et je fais des contenus qui m'intéressent. Donc, je fais vraiment des contenus euh, genre euh, tout sur un jeu vidéo. Donc, si maintenant il y a un type, il sort une astuce. De sur ce jeu vidéo je ne peux pas ne pas la partager sur ma chaîne youtube ce n'est pas un plagiat parce que tout simplement je cite la, la source en description je cite euh, dans la vidéo si c'est un français ben, je lui fais une dédicace orale donc j'essaye vraiment d'être légitime à moi même et alors arrêtez de me dire que c'est des, putac des putaclics ou euh, de, du plagiat et pour le putaclic tout simplement en fait c'est parce que j'ai appris avec le temps que plus vous faites une miniature aguicheur ben, plus euh, la personne a tendance à cliquer Donc voilà j'essaye de mettre un peu d'énigme dans, dans la miniature et dans le titre Pour justement vous pousser un peu plus à cliquer Ça vous coûte rien de cliquer Vous voyez bien si la, la vidéo elle est fausse ou, ou pas Et vous savez très bien que moi je fais pas des fausses vidéos Quand je fais un putaclic Entre guillemets Ma vidéo parle Mon titre parle de la vidéo Ma miniature parle de la vidéo Donc au final c'est pas vraiment un putaclic Mais bon je sais que vous Pour vous c'est des putaclic C'est tout simplement euh, des miniatures aguicheurs et des titres aguicheurs en fait c'est tout simplement ça c'est comme une affiche dans un film ils vont pas te mettre euh, le personnage euh, une bête image ils vont te mettre une vraiment une belle affiche pour justement que tu aies envie d'acheter ou d'aller voir au cinéma ce film là tout simplement c'est question, question d'aguicheur tu vas pas dire oh l'affiche elle est plus tu vois non parce que dans le film la l'affiche la, la elle est aguicheur mais en fait, dans le film, ben, on n'a peut-être pas la même miniature et même pas, pas euh, les, les mêmes couleurs, les mêmes designs que dans l'affiche. Mais voilà, elle te pousse tout simplement à aller voir le film. Donc voilà, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc maintenant, on va parler des autres youtubeurs. Euh, tout simplement, on va commencer ben, par Squeezie. Parce que je voilà, c'est le premier de la liste. Donc on va commencer par Squeezie. Donc vous allez sur la chaîne de Squeezie. Donc vous allez sur Social Blade. Bien sûr, le site sera en description. Et là, vous pouvez voir que. Tout simplement, bah lui, il a un grade 1. Voilà, il est, il est très très haut dans le classement. Il est 184e en rang d'abonnés. Il est euh, 164e en rang en classement des vidéos qui font le plus de vues. Et classement des larmes sociales, bah, tout simplement, ça, c'est le classement de Social Blade. Donc, il est 369e dans le classement Social Blade. Alors, nous pouvons voir qu'il gagne 25 000 minimum. C'est le minimum et maximum 5, 405 000. Donc, lui, il faut toujours faire x3. Donc, le salaire de base de Squeezie, c'est 75 000 euros par mois, tout simplement. Alors par an, c'est pareil. Vous faites 300 000 x 3. x 3, ça fait 900 000 euros par an, il gagne à peu près. Donc on peut voir qu'il est en hausse de 10% et en abonnés, il est en baisse de 8%. Donc voilà, ça c'est pour Squeezie. Donc maintenant, nous allons passer à Michou. Si vous connaissez euh, Michou, c'est tout simplement un petit jeune de 16 ans environ. Donc il euh, faut mettre Michou 1, sinon vous ne le trouverez pas. Je sais pas pourquoi quand tu tapes Michou, eh ben, euh, ça ne marche pas. Donc voilà, il est là, Michou. Alors lui, c'est un YouTuber qui a vraiment buzzé euh, depuis euh, Fortnite, en fait. Hein. Il avait monté, regardez ça, de 0 de de à 5 millions. Il est passé au-dessus de 15 millions de vues. Ici, de 0 à, 10 000, à 50 000 abonnés, il est passé à plus de 150 000 abonnés par mois. Donc c'est vraiment énorme. Il fait vraiment beaucoup, beaucoup de vues. Et regardez, lui, il a buzzé de ouf. Et maintenant, il fait 15 000 euros par mois. Et euh, du 150 000 euros par mois euh, en, par année, donc, hein, tout, tout simplement. Donc, si vous voulez, mais ça, c'est que les la, le salaire de YouTube. Hein. Après, il reçoit plein des dons, il a des partenariats avec d'autres marques, etc. Je suppose, euh, etc., etc. Donc, euh, voilà. Alors, maintenant, je vais montrer Monsieur Level 12 qui, lui, est en pleine baisse. Monsieur Level 12. Donc, euh, on va mettre Monsieur Level 12. Parce que sinon, on ne le trouvera pas. Voilà, donc c'est monsieur Level 12 V6B, lui il fait plus que 900, enfin on va dire 1000 euros par mois, tout simplement, parce qu'il fait genre 6 vidéos par mois, et ces vidéos ne font pas le buzz, donc il, il baisse en, en salaire, quoi, tout simplement. Là il a encore baissé de 8% sur le mois précédent, donc vous voyez bien que même avec 2 millions d'abonnés, enfin 1 million 800 000, bon là il y, a un petit, il y a un petit bug, parce que normalement il y a 1 million 800 000 abonnés, là. Et bien, même avec 1 800 s'il n'arrive pas à faire des, des, des titres à guicheur ou putaclic, comme vous vous le dites, et bien, euh, il ne gagne pas sa, son salaire. Donc, il ne peut pas, euh, par exemple, ben, prévoir des voyages, des, des trucs en plus, ou prévoir du meilleur matos, etc. Franchement, lui, il est un peu dans la galère, même s'il ne montre pas du tout. Quand vous allez sur sa chaîne YouTube, il fait toujours plein de trucs, mais euh, voilà, il montre pas qu'il est en difficulté. Euh, euh, question de salaire. Après, il a peut-être quelque chose d'autre à côté, comme les dons, comme les sponsors, comme les, etc. etc. ou même un autre métier. Je ne sais pas du tout. Donc, on va aller voir quelqu'un d'autre. On va aller voir Cyprien. Vous allez voir que Cyprien ne touche pas énormément comparé euh, à tout simplement ben, Squeezie. On va mettre Cyprien 1. Voilà. Quand vous trouvez pas une personne, parce que ça vous affiche directement une, une chaîne YouTube, faut savoir que Social blade c'est carrément anglais, donc euh, c'est normal que ça vous propose des trucs pas du tout français. Donc voilà, Cyprien, il est là. On va cliquer dessus. Vous pouvez voir qu'il gagne que 6 000. Donc, il, il gagne un petit peu plus que Michou. Mais vous avez vu que euh, Squeezie gagnait 75 000. Alors, pourquoi Squeezie gagne autant et Cyprien gagne moins? Pourtant, il a 12 millions d'abonnés. Bah, tout simplement, c'est comme Monsieur Level 12. Cyprien ne fait plus autant de vidéos qu'avant. Il en fait peut-être une ou deux par mois. Et, euh, mais euh, voilà, il a, lui, il a carrément un gros business à côté. Il a des partenariats de ouf. C'est euh, le numéro un en France euh, du plus gros youtubeur. Donc, lui, il n'a plus besoin de faire des vidéos parce qu'il a tellement de trucs sur le côté qui lui, qui lui fait gagner de la vie, euh, sa vie, que, euh, ben voilà, ces vidéos se passent en, en secondes. Donc on peut voir qu'il gagne quand même 32% sur le, le mois passé, donc il a peut-être fait deux vidéos ce mois-ci, et euh, il, gagne, euh, il a gagné 2% d'abonnés en plus. Donc voilà, Squeezie fera toujours plus d'argent parce que, ben tout simplement, il fait des vidéos, trois euh, vidéos par semaine. Alors on va aller voir Ninja. Ninja qui est euh, en pure hausse, mais lui... Il gagne 50 000 euros x 3, donc ça fait 150 000 euros par, an, euh, par mois. Mais sur Twitch, parce que là c'est que YouTube, sur Twitch, il gagne 500 000 euros, rien qu'avec les subs. Donc c'est pareil hein, sur YouTube, il y a des sponsorings aussi, c'est pas compté dans, dans le prix là. C'est vraiment ça l'air brut de YouTube. Donc lui on peut voir qu'il est à 50% de hausse, 20, euh, 15% de, de hausse d'abonnés. Alors on va aller voir euh, GameX13. GameX13, si vous ne connaissez pas, il fait extrêmement beaucoup. Dans Game Mix 13. Il fait extrêmement beaucoup de vidéos. Franchement, lui, c'est hallucinant aussi. Donc, euh, il, fait, il fait 15 000 euros par mois. Enfin, plutôt 18 000 euros par mois. Bon, là, il est en baisse de 27% et de 50% d'abonnés. Donc, peut-être que moi, j'étais abonné à lui, mais il faisait beaucoup trop de vidéos. Donc, je me suis désabonné parce que c'est des, des vidéos qui, qui parlent de lui-même. Et enfin, c'est pas qu'il m'intéresse pas. Sa vie ne m'intéresse pas. C'est juste que. Moi, je suis plus sur YouTube pour chercher justement du contenu à vous proposer. Donc, j'ai pas le temps de regarder la vie des autres. Donc, je préfère mettre du temps à regarder mes, des abonnements, par exemple, de d'autres youtubeurs Call of Duty ou d'autres youtubeurs euh, Fortnite pour vous donner du contenu sur ma chaîne YouTube, pour justement rapporter du contenu sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Je traîne sur des sites aussi Internet pour trouver. Donc, vous pouvez voir Fortnite Nintendo, des sexto, euh, Fortnite, Fortnite, Twitter. Euh, ça c'est euh, le tuto de, euh, de Dark Kershaw de, de Kenshin. Donc mon PayPal, Striplas, Facebook, euh, etc., etc. Donc j'ai plein de sites ou sinon euh, je vais voir et je me tiens au courant pour vous tenir au courant aussi de toutes, de toutes les nouveautés. J'essaie un peu d'être exclusivité dans les nouveautés. Donc voilà. Alors là maintenant on va passer, euh, je sais pas moi, à The Kiri 78. The Kiri 78 gagne vraiment beaucoup aussi. Bon, pas énormément euh, comme, euh, Cyprien, euh, comme euh, Squeezie. Squeezie c'est vraiment le numéro 1. Donc euh, voilà. Alors ici, lui, il gagne euh, voilà, 18 000 euros aussi par mois. Euh, mais lui, il, charbure, euh, il carbure en vidéo. Donc là, il est un peu en baisse parce qu'il voilà, fait beaucoup moins de vidéos. Donc il fait moins de, de vues, tout simplement. Mais il fait 25 000 euros. Hein, 25, mi euh, 25 millions de vues. Et il ne gagne que 15 000 euros. Donc encore, le salaire que vous croyez que c'était 1 dollar au, mille, un, au 1 million de vues, euh, vues c'est faux. Ce n'est pas vrai. Surtout qu'il faut penser qu'il faut payer son. Euh, son social bled, par exemple, moi, social bled, je, je gagne 70% et eux prennent 30%, 30 du salaire. Donc, du salaire, ils prennent sur, on va dire, 10 000 euros, ils vont prendre 3 000 euros. Donc, voilà, c'est quand même énorme. Il faut, faut aussi savoir ça. Et il faut aussi savoir qu'à partir d'un certain nombre d'argent gagné par an, il faut que tu payes l'État. Donc, il faut que tu payes des contributions, etc. Donc, il y a encore de l'argent en moins décompté. Donc, c'est vraiment. Très très difficile de gagner sa vie sur YouTube en temps normal, donc c'est très dur. C'est pour ça que les gens font beaucoup de putaclics. Vous, en tant qu'abonné, vous êtes là en train de regarder des vidéos complètement gratuites, mais vous, vous ne vous, 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 vous dites pas, euh, vous, vous voyez des putaclics et vous vous dites putain, c'est un enculé. Mais il faut savoir que nous, on essaye d'en vivre de, de, de ce YouTube. Donc, si vous ne cliquez pas sur nos vidéos, on ne peut pas gagner d'argent. Donc, c'est normal qu'on qu essaye de faire des titres aguicheurs et des, euh, des trucs, euh, des miniatures aguicheurs. Bon, après, des putaclics, un vrai putaclic c'est par exemple une. Une miniature qui parle d'une femme, donc on voit une femme à moitié à poil et qu'on dit oh putain, elle enlève son soutien gorge avec un titre oh my god, elle se met des doigts et que en fait dans la vidéo, tu montres une vidéo d'un un chat qui fait une petite danse. Donc, euh, voilà, ça a rien à voir avec ça. C'est un vrai putaclic, les potos. Ça, c'est un vrai putaclic. Un vrai plagiat, c'est tout simplement euh, une personne qui va recopier mot pour mot, geste pour geste, euh, idée pour, pour idée. Tout, tout, il va tout recopier sur la personne. Il va, il va la mettre sur sa chaîne YouTube et il va pas dire carrément qu'il a pris ça sur notre ch chaîne YouTube. Il pourrait faire la même chose, la même vidéo, mais s'il dédicacerait la personne en vocal ou alors dans la description, eh ben là, ça, dev... ça enlèverait le mot plagiat. Donc, il ce serait plus une inspiration en fait. La personne prendrait plus inspiration sur l'autre personne qu'elle a pris que du plagiat. Après, c'est sûr que s'il recopie tout sur tout, c'est sûr que voilà, c'est un petit peu un plagiat. Mais s'il le, le dit dans la description, ça, ça enlève le plagiat. C'est vraiment ça la description. Il faut vraiment que vous allez voir à la place de traiter les gens de plagiat ou de putaclic. C'est vraiment méchant de votre part et ça n'apportera rien parce qu'en réalité, c'est pas vrai, tu vois. Nous, on essaie de se démerder comme on peut et vous apporter euh, du contenu et vous faire plaisir. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer euh, Gotaga. Gotaga qui fait énormément aussi euh, de vues ces temps-ci. Euh, Gotaga, hop. Donc, il a vraiment buzzé aussi avec euh, Fortnite. Hein. Lui, il gagne 36% en plus. Donc, il gagne aussi 18 000, 19 000 euros par mois. Euh, donc, voilà, après, ces gens-là, ils sont quand même bien. Hein. 18 000 euros par mois, c'est énorme. Hein. Franchement, j'aimerais bien gagner ça. Alors, Nextase aussi, qui est sorti. Euh, euh, franchement, qui, est, qui a fait une, exp une explosion aussi dans ses vues. Donc, lui, Nextase, il est à 3 000 euros par mois. Euh, il est à 80% de mieux. Donc, il fait euh, presque du 100% de vues en plus. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, euh, voilà, tant mieux pour lui. Hein. Moi, justement, je sais qu'il gagne autant d'argent. Justement, j'essaie de prendre exemple sur les personnes qui arrivent à tirer euh, de, du monde sur sa chaîne YouTube, tu vois. Je prends exemple. C'est un peu mes modèles. Alors, surtout, un gros, mo un, un gros modèle que j'ai, c'est tout simplement Zederka Glitcher. Donc, Zederka Glitcher, c'est vraiment une personne que qui m'a poussé à faire des glitchs et franchement, je suis fan de cette personne, je suis toutes ses vidéos et je trouve que c'est vraiment une personne qui explique bien. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas comment il parle et tout. Moi, personnellement, je l'aime bien et je me vois dans lui parce qu'en fait, c'est pas un professionnel qui va commencer à écrire tout un texte et qui va réciter son texte. Non, il parle vraiment avec sa passion, avec son cœur. Comme moi, je fais dans mes vidéos, j'écris pas un texte, j'explique les choses. Donc, par exemple, quand je fais un tuto, je le fais à chaud, en fait. Je ne suis pas en train d'écrire un texte avant, comme Kenshin ou Flappy Siphon. Moi, je suis plus en train de vous expliquer ce que je, ce que je suis en train de faire avec mon cœur, avec mes, mes, mon savoir-faire avec mes, mes explications à moi, mes termes à moi. Donc euh, voilà, désolé parfois si je bégaye dans les, les vidéos, mais tout simplement, j'ai un peu un français euh, bof. Donc j'ai du mal à trouver mes mots. En plus en plus j'ai le petit stress encore de quand je tourne une vidéo de ne pas dire de conneries. Pour pas justement qu'il y ait encore des rageux qui viennent par derrière me saquer. J'essaye vraiment de me renseigner un maximum. Mais bon après je fais tellement beaucoup de vidéos que je ne peux pas me renseigner un maximum sur toutes les choses et trouver la moindre petite euh, information supplémentaire. Parce que je mets pas assez de temps dans mes vidéos tout simplement. Parce qu'elles ne me rapportent pas assez. Ça ne me motive pas. Je préfère plus faire une production comme euh, une usine, vas-y on produit, on produit, on produit des vidéos, pour essayer de gagner, même si c'est 100 vues par vidéo, ben, je gagnerai, si j'en fais 10, j'aurai 1000 vues sur la journée. Donc c'est quand même avantageux pour moi de faire plus de vidéos que si je fais une vidéo travaillée et tout, parce que j'arrive pas à faire des... des, des, des... Les miniatures putaclic parce que même moi quand je fais une miniature putaclic parfois ça me fait chier quand je fais un titre putaclic ça me fait un peu chier aussi mais euh, même quand j'essaie d'en faire bah parfois ça ne ça ne buzz pas les gens ne cliquent pas et voilà donc euh, je suis obligé de faire beaucoup de productivité pour essayer de gagner un minimum d'argent parce que moi j'ai les temps sont comptés pour moi dans deux trois ans je vais devoir arrêter YouTube si je n'ai pas une paye YouTube de 1000 euros minimum. Enfin 800 euros, 1000 euros, tout simplement pour pouvoir payer un loyer avec ma femme et me mettre en ménage avec elle. Si euh, je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas le faire et je vais devoir aller travailler. Et si je travaille, ben, j'aurai plus le temps de faire des vidéos. Euh, donc euh, voilà, ce serait un peu la, la fin de ma chaîne YouTube à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'essaye d'utiliser tout ce que je peux pour essayer d'avancer sur YouTube du mieux que je peux. Et c'est pour ça que je vous demande énormément de, besoin, de soutien parce que euh, je n'ai pas le choix. Et de toute façon, j'essaie de vous récompenser en fonction de vos soutiens. C'est pour ça que je vais faire un master kit et que j'ai trouvé une façon de récompenser mes abonnés les plus fidèles. Donc voilà. Après, bien sûr, quand je toucherai 18 000 euros par mois, je vous demanderai pas autant de publicité, je vous demanderai pas de partager, je vous demanderai même pas de liker. Je ferai moins de, de, de putaclic et tout ça. Je ferai moins de vidéos. Je, je ferai des vidéos avec un peu plus de contenu, enfin de plus de perfectionnisme. Mais euh, pour l'instant, je peux pas le faire parce que ben tout simplement. J'ai pas la motivation de faire de travailler 10 heures sur une vidéo pour faire 1000 vues, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, j'essaie de faire sortir un maximum de, de vidéos. Donc voilà, je suis vraiment désolé de vous expliquer euh, les choses en même temps, mais ça se tombe, vous êtes même plus là en train de regarder la vidéo. Hein. Vous avez regardé 10 minutes, vous êtes, euh, êtes cassé. Mais bon, je m'en bats les couilles, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je voulais vraiment vous parler des salaires euh, des, des, des youtubeurs parce que je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous. Et euh, j'aimerais bien aussi euh, m'expliquer à propos de ma chaîne YouTube et certains points comme je suis en train de le faire. Donc voilà. Alors, euh, nous allons aller voir maintenant euh, Le Bouzeux. Le Bouzeux aussi qui est un très bon youtubeur Fortnite et qui fait beaucoup de vues aussi ces temps-ci grâce à Fortnite. Donc lui, Le Bouzeux, il est à plus 3%. Donc il faut savoir que le mois passé, il était à plus 50% parce qu'il avait fait des feats avec TheKiri et tout ça. Donc lui, il gagne 15 000 euros par mois. Donc voilà, c'est pareil, toujours faire x3. Vous êtes fait x3, comme moi je fais x3. Je vous jure que depuis que je suis sur le Social Blade, tous les mois, quand ils me disent « Votre minimum, c'est 100 euros », ben, ce sera 300 euros. Si S'ils me disent « C'est 50 euros », ce sera 150 euros. Tout simplement, parce qu'il faut que je fasse 3, x3. Et ça, c'est pour tout le monde. Même pour vous. Si vous, vous avez une chaîne YouTube, regardez votre salaire, vous faites x3 et vous verrez bien que vous avez touché ce salaire-là. X3, en fait. Le minimum x3. Donc c'est pour ça que j'arrive à savoir l'argent réel qui gagne, quoi, tout simplement. Alors maintenant, on va aller voir Bailsanquin. cas aussi, qui a beaucoup de basses, euh, beaucoup de difficultés à un certain moment, mais là qui remonte avec euh, tout simplement Fortnite parce que ben bah, il est assez actif. Lui il gagne 3 4000 mille euros par mois, mais euh, voilà, il est en pleine, il monte de 35%. Mais il faut savoir qu'avant il gagnait pas, euh, il, il gagnait pas autant. et euh, Pourtant, c'est un, 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 un youtubeur avec 1 million 100 000 abonnés. Donc, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il manque là 1 million. Ah, peut-être qu'il est là en fait, là que je le vois 1 million 103 000 abonnés. Ok, c'est parce que ma traduction elle traduit. Alors ça, 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 dérègle un peu le bazar. Donc voilà. Donc euh, c'est pas. Vous imaginez qu'il a 1 million 100 000 abonnés, il fait des vidéos assez régulièrement, mais il ne gagne que 3000 000 euros. Donc c'est pas énorme non plus. c'est euh, ben, assez pour vivre. Hein. Lui, il va pas. Il faut pas mentir. C'est assez pour vivre. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, alors voyons voir qui je pourrais aller voir. Euh, bon, on va aller voir Thomas. Thomas aussi qui fait pas mal de vues. Euh, Thomas, Thomas. Thomas, il est en pleine expo exposition. Enfin, il a vraiment pas mal, de, pas mal de trucs. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir euh, les statistiques d'une personne, alors là, il y a une application. Je ne sais plus où on doit la trouver. Voilà, application en temps réel ici, tout en bas. Donc euh, par exemple, vous cliquez sur Social Blade vous allez tout en bas. Et ici, application extension chrome, etc, vous cliquez ici, donc ça c'est Apple, ça c'est chrome, voilà, vous cliquez sur le chrome. Donc, ça va vous ajouter, tout simplement, vous mettez ajouter à chrome. Moi, j'ai déjà, regardez, dans, dans mes extensions, regardez, euh, j'ai Social Blade 3.4.14 installé. Donc, vous allez voir l'avantage que ça donne, tout simplement, en fait, quand j'arrive pas à trouver une chaîne YouTube sur Social Blade, j'ai juste à cliquer sur une de ses vidéos. Donc là, je clique sur la vidéo et regardez, j'ai carrément les statistiques de cette chaîne YouTube. Donc on peut voir qu'il fait moins 1%. Donc, euh, il a fait 4 millions de vues. Donc, il a touché environ 1500 euros. Donc, on va aller voir, ici, vous cliquez View More on Social Blade. Comme ça, bah, vous avez la chaîne de cette personne. Donc voilà, là, il, il a fait 4500 vues. Voilà, 4500 euros. Parce qu'il a fait 7000 vues. Donc, euh, comme, comme je vous le disais encore tout à l'heure. 1000 vues vaut pas un dollar. Donc là, il a fait euh, 4000. Ouais, 4200, 4800 euh, euros. Voilà, il a fait 4800 euros. C'est vraiment pas mal. Il est en pleine évolution. 50 54%, 50% d'abonnés aussi. En plus, donc voilà, c'est vraiment énorme. Donc il, il, il buzz bien avec Fortnite. Franchement, beaucoup de personnes buzzent avec Fortnite. Et tant mieux pour eux. Et je vous félicite le meilleur. Je vous félicite et je vous souhaite le meilleur pour, pour la suite. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai expliqué comment. Euh, passer partenaire, un hein. partenaire, il faut, faut juste demander un partenariat, vous tapez votre chaîne YouTube, ou euh, si vous ne trouvez pas votre chaîne YouTube, bah, vous, vous installez tout simplement l'application sur euh, votre euh, Internet, donc Google Chrome, puis après hein, vous faites comme je vous ai fait, hein, vous view more on social, et puis vous cliquez pour demander un partenariat. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de restrictions sur social Blade juste avoir un compte Google AdSense. Alors au début, bah, moi j'étais sur Google AdSense et je n'ai pas gagné énormément, parce que Google AdSense prend 40, 80... Euh, moi je prends.. Donc, Google AdSense prend 40% donc je gagne 60% et là ben, c'est Social Blade ben, je suis monté à 70% donc euh, c'est un peu mieux donc je suis un peu mieux payé donc voilà alors euh, je sais pas quoi dire d'autre hein, à part que j'ai 6 millions de vues pour euh, 4000 euros et voilà hein, j'espère que ça augmentera j'espère que mon évolution augmentera réellement et euh, j'espère que vous serez toujours là en train de me soutenir j'espère que cette vidéo ben, vous aura plu même si elle aura été un peu longue c'est une vidéo vraiment que j'avais envie de faire sur ma chaîne YouTube après je sais que ça va pas... Euh, tout le monde va pas regarder, mais voilà, en tous les cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu. J'espère que vous comprendrez un peu mieux euh, le système de YouTube, l'affiche euh, la de paye de YouTube et pourquoi les gens font un peu plus de putaclic. Ben, tout simplement pour gagner un peu plus parce que ça devient de plus en plus difficile. Attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc très important. Parce qu'on a parlé de français, mais je ne vous ai pas montré PewDiePie. Attendez, on va, aller, on va aller voir Jack Byneuf aussi parce que Jack Byneuf aussi a une énorme une énorme évolution. Voilà, depuis euh, depuis Fortnite, il évolue de ouf. Donc, regardez, il a il fait 50% et il touche 3000 euros par mois. Et euh, franchement, regardez, depuis que Fortnite est là, il est monté super haut. Et euh, franchement, félicitations à lui. C'est un youtubeur que je suis. Et euh, vous savez quoi Moi, tous les youtubeurs que je suis, je leur mets un like et un commentaire tout simplement. après je partage pas parce que j'ai pas vraiment de réseaux sociaux pour les partager, mais euh, j'en parle quand je le partage, ben, quand je partage une vidéo, ben, je le partage sur Messenger avec mes potes que je connais. donc voilà. mais euh, c'est euh, c'est important de commenter parce que plus il y a de commentaires, mieux c'est. même dans un live, n'hésitez hein, pas euh, quand on dit euh, mettez hashtag euh, hashtag pute dans le chat, ben, mettez hashtag pute dans le chat parce qu'en fait ça fait augmenter le nombre de commentaires, donc augmenter le nombre d'intérêts dans un live, et c'est comme ça que vous pouvez passer en tendance en fait. Plus vous avez de notoriété autour de vous, enfin de, de trucs qui se passent autour de vous, bah plus euh, vous serez euh, mieux référencé et vous passerez peut-être même en tendance si la communauté met beaucoup de commentaires, met beaucoup de likes, parle beaucoup, enfin voilà, et essayez vraiment d'être actif le poteau. C'est vraiment pour le youtubeur que je vous le dis. Donc, pour moi en question, mais pour les autres aussi, faites-le pour les autres, pour ceux que vous soutenez, bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous montrer PewDiePie, hein, parce que PewDiePie, c'est vraiment. Euh... Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Ah, ben, bah, c'est bon, je l'ai là. Voilà. Donc, lui, il a 18 millions. Ah, non, il a 62 millions d'abonnés pour euh, 18 milliards de vues. Donc, lui, il gagne. Ah, ben, bah, en fait, il gagne comme, euh, comme Squeezie. C'est vraiment incroyable. Il gagne 150 000 euros par mois. C'est incroyable parce que je pensais que Squeezie était moins payé que lui, mais non, carrément, il est carrément à peu près de la même paye que lui. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, euh, bien sûr, lui, c'est le numéro 1 mondial. Enfin, même pas, même pas. Il a diminué, hein. Il est numéro 4, 5 et 91e. Donc, il est encore plus haut que lui. Mais dans le YouTube Game, donc dans le YouTube Gaming, c'est vraiment lui qui, qui buzz de ouf. Donc, euh, lui, il buzz depuis très très longtemps, hein. Donc, euh, voilà. Après, j'aimerais bien comparer avec Squeezie. Euh, 200, 220 millions de vues il a fait Ouais et lui il a fait Ah ouais non Ah ok non j'ai rien dit en fait Squeezie gagne 75 000 euros Et puis il gagne 150 000 euros ouais ok c'est le double De Squeezie quand même oh, il me semblait bien que SpeedyPie faisait le double enfin faisait plus quoi du moins Et voilà donc euh donc voilà, j'ai tout dit sur pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, sur ce, moi je vous souhaite à, à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker et partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace!